Welcome to Love Linel and Beauty. Veuillez vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et d'appuyer le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais créer un style de nail acrylique. Je vais utiliser de la peinture cette fois. Je vais utiliser des bics. Ça ne contient pas de l'encre, mais ça contient de la peinture. C'est plutôt original. Premièrement, je vais mettre une petite quantité d'acrylique clair, de clair acrylique sur chacun de mes ongles. Ça va me servir de base. Le style que je vais appliquer aujourd'hui, je ne l'ai jamais essayé. C'est la première fois que j'achète des bics en peinture. Ça produit de la peinture, de l'acrylique. Quand je finis de mettre de l'acrylique clair sur mes ongles, je vais vous montrer à quoi ces bics ressemblent. Et je pourrai en fait commencer le travail. Et là, je veux commencer à utiliser mes bics en acrylique. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est écrit Acrylic Painter. Et avant que vous utilisiez ces bics, il faut les secouer pour faire descendre la peinture. Et ils ont des couleurs métalliques et ils ont des couleurs régulières. C'est vraiment amusant de travailler avec ces bics. C'est facile à utiliser et facile à dessiner sur l'ongle. Sur chaque ongle, je vais essayer de créer une image différente. Et c'est vraiment pratique, c'est pas salissant. C'est plus facile que d'utiliser une broche fine. Et maintenant là, je vais utiliser de la couleur noire. Et ça sèche aussi très rapidement. Maintenant ici, je vais essayer de colorier mon ongle avec de la peinture acrylique. Je vais utiliser la couleur blanche là-dessus. C'est vraiment pratique. Et sur cet ongle, je vais essayer de créer deux lignes en couleur.
C'est vraiment fascinant. Et si vous faites une erreur, c'est facile à corriger. Pour cet ongle, j'ai fait une petite erreur. Je vais l'ajuster. Je vais regarder la forme de mon ongle. Je vais ajouter de la couleur jaune. Et pour cet ongle, je vais essayer de créer un autre dessin. C'est vraiment facile à utiliser pour ceux qui commencent à peine à apprendre sur des ongles acryliques. C'est pas difficile. Mais la brosse fine demande plus de précision. Et sur cet ongle, je vais essayer de faire un style ombré. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler avec des bics, si on peut appeler ça aussi des feutres, avec de la peinture acrylique. Et je vais ajouter de la couleur jaune. C'est vraiment pas facile de créer un style ombré avec des bics acryliques. C'est plus facile avec la brosse de mélanger les couleurs. Et ici, je vais dessiner une feuille. J'aime vraiment la façon dont ça se présente. Si vous n'avez pas de l'acrylique en couleur ou encore du vernis, vous pouvez utiliser du bic acrylique. C'est fait avec de la peinture. Maintenant, je vais ajouter sur chaque ongle l'acrylique transparente. Ça va me servir de couverture. Je vais ajouter de l'acrylique transparente sur chaque angle. Le résultat est vraiment fascinant.
Maintenant, je veux limer mes ongles. Je vais utiliser cette lime, c'est 180. Elle est vraiment dure. Je vais l'utiliser pour donner la forme à mes ongles. Parce qu'à chaque fois que vous mettez de l'acrylique sur vos ongles, ça change la forme de votre ongle. Ça augmente la forme de votre ongle. Et je tiens à garder la même forme. Et maintenant, je vais utiliser cette lime. Elle est très fine. Je vais utiliser ça pour limer la surface de mes ongles. Ça me permet de garder la forme de mes ongles et de rendre la surface lisse. Donc, je vais faire cela sur chaque ongle. Et maintenant que j'ai fini, je dois nettoyer mes ongles avec de la brosse. Je dois enlever de la poussière. Et je vais appliquer le Jelly Top Coat. Je vais appliquer le vernis transparent. Je vais appliquer le vernis transparent Jelly Top Coat. Sur chacun de mes ongles. J'ai fini. Maintenant, je vais utiliser ma machine UV Light. Ça va me permettre de faire sécher le gel, le vernis gel. Et j'aime bien utiliser le vernis gel parce que ça garde les ongles pendant longtemps. Ok, je vais un peu tester, c'est pas encore sec. Et je vais utiliser le Jelly Cleaner, ça permet de nettoyer les ongles. Ok, c'est prêt. Je vais l'appliquer sur chaque ongle, ça permet d'enlever les sensations collantes. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des messages, envoyez-les-moi. Merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche et aussi sur le bouton like si vous aimez. Merci.